Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La grenouille, un film radiophonique de Charles Maître, avec Marcel Bosuffy, Edith Lauriat, Henri Labussière, Christine Lausanne et Dominique Paturel. Mmh. Non, merci. Bon, alors écoute, fils. D'accord pour t'aider. D'accord, je te dois bien ça et depuis longtemps. Seulement, je voudrais comprendre. Mais comment ça, comprendre oh. Voilà une demi-heure. Tu, tu, tu permets oh. Tu permets Laissons un peu le suicide de ton associé et revenons à ce que tu me demandes. 500 000 francs et pour de la frime, d'accord, je peux te trouver ça. Mais ce que je continue à ne pas comprendre, c'est pourquoi tu tiens absolument à faire de moi un Anglais. Oh, parce que des gens capables de réunir un demi-million en 48 heures, il n'y en a pas beaucoup. Et parce qu'Alexandre Barra connaît pratiquement tout le monde par ici. Bon, on va pour un étranger, mais pourquoi un Anglais Hein, un Anglais Si jamais ton gars se méfie et se met à me parler british, on est marrant. Oh, oh, Rassure-toi. Si Barra parlait Anglais, il serait sans doute autre chose qu'un intermédiaire minable. Oh, minable, minable D'après ce que tu viens de me dire, il a tout le même pignon sur rue, non oh, En apparence seulement. Appartement et grosse voiture, mais en location. Des affaires plus ou moins louches et des dettes un peu partout. Barra, c'est une façade, rien d'autre. Ah bon Il n'a pour lui que son physique et un certain brio, mais je reconnais qu'il fait illusion, remarque. Auprès des femmes surtout. <laughs> allez, 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 sois pas jaloux. <laughs> Revenons plutôt à mon personnage. Pourquoi anglais parce qu'Edward Morrison existe tout simplement. Il est en Amérique pour l'instant, mais il vient de faire louer une résidence à Cannes. Ah. Barra peut se renseigner, il ne sera pas déçu. Ouais, Je suis d'accord pour essayer, mais je ne garantis pas le résultat. <laughs> Ça ira très bien, ne t'inquiète pas. Barra s'intéressera plus au contenu de ta valise qu'à ton accent. Ah bon. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de toi, j'irai peut-être tout seul. Ah non, ah non, bonhomme, désolé. Je te fournis les billets, mais je les quitte pas des yeux, pas question. Bon, bon, comme tu voudras. Mais tu es certain de réunir la somme, hein C'est sûr. Tu l'auras, t'inquiète pas. Ça va m'obliger à avoir pas mal de monde, mais ça ira. Bon, dans le gros transport, on a toujours du liquide, tu sais. C'est bien pourquoi j'ai pensé à toi. Mais dis donc, et. Et s'il allait nous braquer ton zèbre Oh non, oh non, non, tout de même pas. Cela dit, puisque tu as un port d'armes, et si cela peut te rassurer. Euh... Bon, mais attention bon. que ça ne se voit pas, alors. Hein. Ah, sois sans crainte. Tu comptes le voir quand Ce soir, mais plus tard. J'irai chez lui vers minuit. Mm -hmm. Et si t'envoies sur les roses Oh, pas de danger. Avec un million dans la balance, on peut frapper chez lui à n'importe quelle heure. Eh ben, chez moi aussi, tu sais. Et même pour moins que ça. Parce que des millions, j'en vois bien passer, mais ils s'arrêtent pas souvent, vois-tu <laughs> Les affaires sont dures, je sais, mais au moins tu travailles dans des conditions normales. Bon. « Moi, depuis cinq ans, je n'ai touché que mon salaire et pas toujours entier. Si je rate mon coup, je suis lessivé fini, je m'enlèverai pas. »« Avoue que tu l'as cherché, quand même. Hein pour tout miser sur un cheval, il n'y a qu'un débutant, et encore. »« Si je ne m'étais pas mouillé à fond, je ne l'aurais jamais commencé, mon village. Personne n'y croyait. Ouais, »« c'est bien ce que je dis. Et bien ce que je dis, architecte et idéaliste, c'est beaucoup pour un seul homme. Hein »« Mais non, puisque j'ai réussi. Sans le coup fourré de Stéphane, c'était gagné. » À partir de maintenant, j'obtenais ce que je voulais. Oui. Ben, si tu permets, c'est là où je commence à plus comprendre. Mais, que tout puisse s'écrouler pour un malheureux trou de 500 000 francs, là, là, ça me dépasse. Évidemment, c'est une somme, mais par rapport à votre budget global, c'est tout de même pas le Pérou. Si tu disais à tes chauffeurs, je ne peux pas vous payer pendant six mois, mais dans six mois, vous toucherez tout en bloc, qu'est-ce qu'ils te diraient <laughs> Je te blague, ils m'enverraient au bain. Eh bien, moi, c'est pareil. Si je ne paie pas les entrepreneurs, tout s'arrête. Et si les chantiers s'arrêtent, la bourse dégringole. C'est à double tranchant, la bourse, tu sais. Ça permet de travailler, mais à condition de ne pas s'arrêter. À la moindre alerte, hop, adieu Berthe. Oui, enfin. Ah, je suppose que tu sais où tu vas. Ben, je te souhaite de réussir. Bon, moi, je garde ton colis et je m'occupe de la petite collecte, c'est tout ce que je peux faire. Tu me sauves la vie. Ni plus ni moins. Hum. Puis il n'y a qu'à toi que je pouvais demander ça. Eh ben, comme ça, nous serons quittes. Oui, J'oublie pas que sans toi, il y a dix ans, j'aurais jamais acheté mon premier camion. Hmm? <laughs> Ce qui prouve que votre petit proverbe français, ils ont souvent raison. Hmm? Le bienfait, il n'est jamais perdu. <laughs> Voiron. Voiron. Bonsoir, Bara. Désolé de vous déranger à cette heure, mais il faut que je vous parle d'une affaire grave, très grave. Bien, entrez. Excusez ma tenue, j'étais sur le point de me coucher. Venez entrer par là. J'ai voulu vous appeler, mais ça ne répondait pas. Comme je sais qu'il vous arrive de couper votre téléphone. Oui, oui, d'accord. Dites-moi plutôt ce qui vous arrive. Une catastrophe. Edmond Stéphane s'est suicidé. Vous dites Une balle dans le cœur. Je l'ai trouvé un peu après 8 heures au bureau où j'étais passé chercher un dossier. Il a bouffé la grenouille. Et il me laisse avec un trou d'un demi-million. Vous avez déjà fait les comptes Pardon Vous l'avez trouvé à 8 heures, et il est à peine minuit. Ben, J'ai chiffré grossièrement, oui. D'après ses propres indications, d'ailleurs, il a laissé une lettre où il explique son geste et ses tripatouillages. <laughs> Sacré Stéphane, avec son goût de l'ordre, on se demande comment il a bien pu. Enfin. Vous avez prévenu la police, naturellement Pas encore, non. Diable. Voilà qui mérite une explication. Je vous offre un verre Non, merci. Eh bien, dans ce cas, je vous écoute. Asseyez-vous. Merci. Bon, quand je parle de catastrophe, je pense d'abord et avant tout à nos souscripteurs. Les petits épargnants, des retraités, des gens qui ont économisé durant toute leur vie afin d'avoir un toit et un bout de jardin à eux. Pour la plupart, si nous sautons, ce sera la fin de tout. C'est évidemment regrettable, mais ce sont les risques du métier, mon cher. Un promoteur. Alors, je ne suis devenu promoteur qu'afin de pouvoir construire. Vous le savez. J'ai investi dans cette affaire tout ce que je possède et six années de travail. Sympathique, mais joliment imprudent, non Ceux de vos confrères qui ont oh, réussissent... la question n'est pas là, je vous en prie. Nous sommes sur le point de livrer la première tranche du programme. L'affaire était parfaitement saine. Et même, malgré le trou laissé par Stéphane, elle l'est encore. Malheureusement. Malheureusement, euh... la confiance va disparaître en même temps que votre associé et le trou s'agrandir dangereusement. Dès que la nouvelle sera connue, nos actions vont s'effondrer, oui. Si je ne trouve pas de quoi soutenir, ce sera la débâcle. Combien Il me faudrait un million au moins. Vous espérez le trouver d'ici à demain Demain est jour férié, nos bureaux sont fermés en principe, et sauf accident, le corps ne sera pas découvert avant lundi matin. Hmm. Et si quelqu'un vous a vu ce soir Je ne le pense pas, mais j'accepte le risque. On pourrait vous accuser de l'avoir tué Pas avec la lettre qu'il a laissée, non. Puis d'ailleurs, peu m'importe. D'abord, évitez le naufrage. Ensuite, nous verrons. <laughs> en somme, pour sauver vos chers souscripteurs, vous êtes prêts à jeter quelques gros poids par-dessus bord. Pardon Ah non, mais... ne faites pas l'innocent, pas avec moi. Le suicide étant découvert lundi matin... La bourse risque de s'effondrer dès l'ouverture, mardi ou plus tard. Vous laisserez descendre suffisamment, vous rachèterez à la baisse et le tour sera joué. Les plus gros porteurs, c'est-à-dire les banques, boiront le bouillon à la place de vos petits vieux. Mais je dois gagner du temps, je n'ai pas le choix. Mais l'entreprise est saine, vous le savez, et à terme parfaitement viable. On ne traite pas à terme sans confiance, mon cher. Avec un million, je la retrouve. J'y laisserai la totalité de mes bénéfices s'il si le faut, mais au bout du compte, personne ne sera lésé. C'est à voir, mais admettons. Vous espérez le trouver où, ce million Edward Morrison, vous connaissez Pas du tout. C'est un Anglais récemment installé en France, une fortune assez considérable, en quête d'investissement très bien disposé à notre égard, mais il me faut les fonds pour lundi. Et cela ne me laisse pas le temps de lui prouver, chiffres en main, que l'affaire est saine. Ce qui vous interdit par conséquent de lui demander la totalité de la somme. Pour obtenir sa confiance, il vous faut un autre bailleur. C'est la raison de ma visite, vous l'avez déjà deviné. <laughs> Combien J'arrive de chez Morrison, je lui ai révélé le suicide de Stéphane et le trou dans la caisse. À condition que je trouve la première, il est d'accord pour la seconde moitié de la somme. Les conditions 20% à très court terme. Puis de toute façon, même si je le voulais, je n'empêcherai pas la bourse de dégringoler. Je rachète à la baisse, je vous rembourse votre mise et je vous offre le reste en action. Hmm. Pas mal. Enfin, vous étiez un ami de Stéphane, vous connaissez l'entreprise vous ne prenez pas le moindre risque, et c'est l'affaire de quelques jours, une semaine au plus. À moins que la grenouille ne soit plus grosse que prévu. Voici la lettre de Stéphane, je l'ai photocopiée. Il parle de 500 000 francs, 600 au maximum. Après contrôle, je puis vous assurer que ce n'ira pas au-delà. 600 000. À se demander ce qu'il a pu en faire. Il le dit plus loin, il a joué. À la bourse. Mmh. Affaire intéressante, je ne dis pas, mais nettement au-dessus de mes moyens. Vous devez le savoir d'ailleurs, et je m'étonne un peu que vous vous adressiez à moi, je ne vous le cache pas. L'affaire étant sans risque, je vous crois capable de réunir la somme. Vous sachant ami de Stéphane, je pensais que. Et si nous sautons, sa femme risque fort de se retrouver à la rue. Comment cela Stéphane avait mis ses biens les plus importants au nom de sa femme. Mais c'était après la constitution de notre société. En cas de banqueroute, ce serait la saisie presque à coup sûr. Oui, évidemment. J'ai bien quelques commanditaires que cela pourrait intéresser, mais. En si peu de temps. Vous êtes sûr de votre anglais C'est du solide Certain. Bon. Je vais essayer, je ne vous promets rien. Je vous donnerai ma réponse dans 24 heures. Ah, je préférais vous en laisser 48 et que vous me disiez oui tout de suite. Ah, je ne le peux pas. Je ne suis pas sûr de réunir cette somme. Non, disons... Demain midi, si vous voulez. Je ne peux pas faire mieux. Bon. C'est très bien, je vous remercie. Vous me téléphonez Dès que je serai fixé. Je ne bougerai pas, j'attendrai votre appel. Et pour Liliane Stéphane Vous comptez la prévenir quand Je me suis donné jusqu'à demain, elle sera bien assez tôt. Je l'ai appelée tout à l'heure pour la prévenir que son mari ne rentrera pas ce soir. Yeah. Je fais l'impossible et je vous appelle demain, promis. Je vous remercie. Bonsoir, Barin. Bonsoir. Ça alors « Allô Eliane oh, Je te réveille. Hein? Désolé, mais ça en vaut la peine, tu vas voir. Une nouvelle extraordinaire. Accroche-toi. Tu y es Je t'annonce que tu es une femme libre, mon amour. Parfaitement libre. Ton mari s'est suicidé. Tu es veuve. » Pas y croire. S'il n'y avait pas cette lettre. Oui, mais il y a sa lettre, heureusement pour nous. S'il était mort sans s'expliquer, ce serait beaucoup moins drôle. Oh, drôle Tu as de ces mots enfin, ce que je veux dire, c'est que cette lettre nous sauve deux fois la mise. Non seulement elle nous évite tout soupçon, mais elle te blanchit complètement. Et si ce n'était pas un suicide Quoi Elle nous arrange tellement cette lettre. Si nous l'avions écrite nous-mêmes, nous ne l'aurions pas rédigé autrement. Non, mais tu dérailles, qu'est-ce qui te prend C'est bien son écriture, non Hum, à première vue. Mais si elle s'avérait fausse, ce serait terrible pour nous. Au lieu de dire n'importe quoi, tu ferais mieux de réfléchir. Remords ou crainte d'être découvert, nous avons toujours pensé qu'il pourrait se suicider. Eh bien, ça y est, il l'a fait. Pas la peine de chercher plus loin. Pourquoi dit-il avoir mangé l'argent Mais pour qu'il te reste, pardi Et pour te préserver de toutes les poursuites. Alors pourquoi se tuer pourquoi ne pas partir et, et en profiter avec moi comme nous l'avions prévu mais Je viens de te le dire et il l'a écrit noir sur blanc. Parce qu'il ne supportait pas d'être un voleur, tout simplement. Et s'il avait découvert la vérité Enfin, la vérité nous concernant, je veux dire. Non. Il était plutôt du genre magnanime, mais tout de même. Disparaître en nous laissant le magot et en s'arrangeant pour nous innocenter, non. <laughs> Ce serait quand même un peu beaucoup. Pauvre Edmond. Je me demande s'il n'en était pas capable au fond. S'il a découvert que je le trompais, ça a dû être terrible pour lui. Oui, ben laissons cela, nous avons mieux à faire. Je ne t'ai pas encore dit le principal. Principal Ou plutôt si, je te l'ai dit mais cela ne t'a pas frappé. Tu ne comprends pas ce que ça représente pour nous la démarche de voir ou non. Non. Mais une chance extraordinaire, inespérée, qui va nous permettre de doubler sinon de tripler notre capital. Comment ça pour boucher le trou laissé par ton mari, Voiron a besoin d'un million. Pourquoi un million Puisque le trou n'est que de la moitié. Parce qu'il lui faut une marge sérieuse. Quand la bourse dégringole, on ne peut jamais savoir où cela s'arrêtera. Or, ce million dont il a besoin, il en a déjà trouvé la moitié. Et alors Alors nous allons lui procurer l'autre moitié, tout simplement. Quoi Cet imbécile va boucher son trou avec son propre argent. Mais il lui faudra quand même le rembourser. Mais qu'est-ce que tu racontes ne, ne me dis pas que tu as l'intention. Laisse-moi que... parler, tu veux Non. Non, je t'en prie, sois raisonnable. Cet argent est à l'abri, bien à nous. On va tout de même pas risquer 50 millions à qui tout double. Attention, ma belle, non seulement tu parles en vieux front, mais tu commences à raisonner comme une vieille dame. Pourquoi es-tu si méchant enfin, Il a toujours été convenu que cet argent ne bougerait pas avant notre départ. Pour le Venezuela Eh ben quoi, le Venezuela C'est ce qu'on a décidé Bien obligé les pays ne pratiquant pas l'extradition se font de plus en plus rares. Sois pas de mauvaise foi, c'est toi-même qui me l'a proposé. Parce que nous n'avions pas le choix et que le principal était d'être ensemble. Mais je ne t'ai jamais dit que Caracas était le paradis. <laughs> Aujourd'hui, étant donné les circonstances, ce serait tout juste le purgatoire et, et encore. Bah, quoi, les circonstances Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Et la mort de ton mari, alors, qu'est-ce que tu en fais Si Voiron ne trouve pas son million. Ce sera le crack et le scandale. Il le trouvera, il en a déjà la moitié. Mais justement, non, figure-toi. Il n'a la première moitié qu'à condition de trouver la seconde. Or, en si peu de temps et en l'absence inexplicable de ton mari, il ne la trouvera pas. Eh ben tant pis, ce sera le scandale. Après tout, si nous étions partis comme prévu, rien ne prouve qu'Edmond n'aurait pas porté plainte. Ton mari aurait fait ce que tant te voiront actuellement, ou alors. il se serait suicidé. Oh, ne sois pas toujours cynique. Edmond est mort, nous sommes libres et l'argent est à notre disposition. Partons comme prévu et voilà tout. Navrée de te décevoir, mais il te faudra quand même attendre. Et de façon assez désagréable, j'en ai peur. Désagréable Tu ne t'imagines tout de même pas que tu vas rester là dans ta jolie maison et au bord de la piscine pendant la liquidation Il va falloir faire ton deuil de tout cela, ma chère Comment ça, mon deuil Mais enfin, la, la villa est à moi, elle est à mon nom. Et, et je me suis mariée, séparée de bien. Et oui, bien sûr Malheureusement, ton mari ne te l'a pas offerte après la constitution de la société. En cas de simple faillite, pas de problème. La maison est bien à toi et insaisissable. En cas de banqueroute, en revanche, c'est totalement différent. Non, et bien tant pis pour la maison. De toute façon, nous ne comptions pas l'emporter. Enfin, pas... ne sois pas stupide. Elle vaut plus de 300 000 francs, 30 millions, puisque tu aimes les vieux francs. Et cela s'emporte très bien dans une valise. il n'a jamais été question de ça. Mais il n'a jamais été question non plus de ce que nous offre Voiron. Grâce à cela, tu pourrais tout garder, tout, y compris tes parts dans la société. Comment ça Si tu me laissais parler, tu aurais déjà compris. Au lieu de partir comme des voleurs et d'en être réduits au Venezuela, nous pourrions tout... Tout, tu entends Oui, 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 tu me regardes. Rester là, vivre dans cette maison, avoir des revenus et même nous marier si tu veux. Quoi Tu, tu m'épouserais, c'est vrai Pourquoi pas et par-dessus tout cela, le magot nous reste. 500 000 francs, 50 millions pour voyager, nous amuser, vivre à notre guise. Quoi, le magot nous reste Mais si nous le donnons à voir, Mais on... Tu vas me laisser parler, oui ou non Bon, oui. Nous ne le donnons pas. Nous le prêtons. Avec le seul demi-million de son anglais, voir, on ne peut rien. Il ne pourra profiter de la baisse. Avec le double, oui, il peut se refaire. Il bouge son trou, rembourse ce qu'il nous doit, mmh. rétablit la confiance, et tout repart comme devant. Mmh. Combien as-tu en francs suisses 450 000. Cela fait plus de 600 000. Tu pourras même garder ton coffre, si tu veux. Tu prêtes à Voiron, sous le couvert de mes commanditaires, 500 000 francs. Quatre jours plus tard, une semaine au plus, Voiron rembourse. Et tu gagnes sur tous les tableaux. C'est-à-dire. Comment, c'est-à-dire Ah Oui. La situation étant redressée, la société continue. Et tu hérites tout naturellement des parts de ton mari. Mais enfin, voir, on va me réclamer des comptes. En partie peut-être, mais en partie seulement. D'abord parce qu'il t'aime bien et qu'il ne voudra pas te laisser sans rien. C'est un délicat, ce petit. Et puis à cause de la société, il ne voudra pas ternir la mémoire de ton mari. Il va travailler dur, redresser la situation et rogner sur ses propres bénéfices. <laughs> oui. Mais tout ce qui l'intéresse, au fond, c'est d'achever ses petites maisons sans faire de peine à ses chers souscripteurs. Est-ce que tu peux être cruel Ce pauvre voiron. Oh non, 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 je t'en prie, hein. Pour les scrupules, c'est un peu tard. Depuis deux ans que tu trompes ton mari et que tu le pousses à taper dans la caisse. Tu as eu le temps de t'habituer. Oui, bon, pas la peine de te fâcher. Nous avons suffisamment discuté. Maintenant, tu choisis. D'un côté, la fuite avec un capital qui risque de fondre très vite et l'impossibilité de revenir. De l'autre, une affaire solide et rentable, plus un capital et une réputation intacte. Oui, c'est un temps, évidemment. Eh ben alors, décide-toi. Mais j'y pense. Les banques sont fermées le samedi. En Suisse comme ailleurs. Non, ma belle. Justement pas. Hein? Le samedi, les guichets sont fermés, mais les coffres demeurent accessibles. Eh, eh, oui. En prenant le premier avion du matin, je serai de retour l'après-midi. Ah, parce que c'est toi qui. Parfaitement, c'est moi qui. Et je te conseille de faire attention à ce que tu vas dire. Bon, bon, ne te fâche pas. Mais je pensais simplement que nous. Enfin, que nous aurions pu y aller ensemble. Ah oui. Ah ben, oui, bien sûr, ensemble. Ben, oui. Parce que tu t'imagines que Voiron va rester 107 ans avant de t'annoncer la mort de ton mari. Dans un peu plus de 48 heures, tu seras publiquement et officiellement veuve, ma chère. C'est un rôle à ta portée, oh, je ne suis pas inquiet. Mais tu ferais quand même bien de t'y préparer. Quelle heure heures, il 9h, allez, hop, debout C'est Alexandre Barra. Oh, oh, Barra déjà, mais, mais, quelle, mais quelle heure est-il 9 heures, je viens de te le dire. Je lui ai demandé de rappeler plus tard, mais il n'a rien voulu savoir. Tout juste, il m'a pas ordonné de te réveiller. Oh, oh. Bah, il a bien fait, c'est important. Oh, il appelle plus tôt que prévu, espérons que c'est bon signe. Tu as fait du café Oui, oui, va, je te la porte. Oh là là, alors oh, je suis pas assez dormi, moi. Hein. Ah <coughs> Allô Allô, oui ah <coughs> Oui, bonjour. Non, excusez-moi, je me réveille à l'instant. Quoi Non, 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 vous avez bien fait. Déjà Un ah, compliment, vous n'avez pas traîné. Ben oui, bien sûr, voulez-vous que j'aille jusque chez vous. Ah bon ben, Je peux vous rejoindre à l'aéroport. Chez moi <laughs> Hein? Ah non, non, pas du tout. Pourquoi voulez-vous que ça m'ennuie Bon. Bon. Bon, très bien. À tout de suite. Tu peux venir ici Il ne fait que passer, rassure-toi. On ne me dit pas que tu es en affaire avec lui. Tu n'as jamais pu le sentir. Si l'on ne travaillait avec, avec les gens qui vous sont sympathiques, tu sais, on chômerait souvent. C'est avec lui que tu as passé la nuit. La nuit Tu es rentré à 3 heures du matin, je t'ai entendu. Tout comme hier d'ailleurs. Non, écoute, mon chéri, je. Merci. Non, je peux rien te dire encore, mais il se passe des choses très graves. Très, très graves, même. Oui, ça, je sais. Quoi, tu sais Qu'est-ce que tu sais Depuis deux jours, je te reconnais plus. Tu ne m'écoutes pas, tu réponds à un côté. Tu découches. Comment ça, je découche Parfaitement Rentrer à 3 heures du matin pour quelqu'un qui aime se coucher tôt, moi, j'appelle ça découcher. Bon. Ah écoute, j'aurais préféré ne rien te dire maintenant, attendre que les choses s'arrangent, mais du moment que Bara vient ici, c'est difficile. Mieux vaut que tu sois au courant. Enfin, du moins, en partie. C'est ça, tu vas encore me dire les choses à moitié, puis ensuite tu m'accuseras de gaffer. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Bara? Mettre au point les modalités d'un prêt. Tu veux lui prêter de l'argent? Mais non, le contraire, c'est lui qui m'apporte 500 mille francs. Lourd? Bah évidemment, lourd. Non, mais tu plaisantes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est une histoire compliquée, c'est une histoire de. de grenouille. Ah non, hein Ou c'est grave, ou tu te fiches de moi, faudrait savoir. Oh, aucune envie de plaisanter, crois-moi. Stéphane a tapé dans la caisse. Et Edmond, Edmond, oui. En moins de deux ans, il s'est approprié un demi-million. Mais c'est impossible, voyons. Pas lui. Mais si, mais si, hélas c'est justement parce que c'était lui que cela a pu aller aussi loin, et si je n'avais pas eu brusquement besoin de beaucoup de liquide, ça aurait très bien pu continuer encore. Mais c'était Faron Mais qu'est-ce qu'il a fait de tout cet argent bah, bah C'est tout le problème. Il prétend l'avoir joué, mais je suis sûr que c'est faux. Il a bien fait sauter la grenouille, mais il ne l'a pas mangée. Elle est cachée quelque part, bien grasse, en réserve, et, et à l'instigation de sa femme, probablement. Liliane ta chère Liliane, parfaitement. Pour faire de ce pauvre Edmond un voleur, je ne vois personne d'autre. Mais enfin... Mais enfin, tu supposes ou, ou tu en es sûr Je suis certain que l'argent est caché quelque part, c'est tout. Et, et j'ai décidé de le faire sortir. Ah, désolé, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Si Edmond prétend avoir joué, c'est qu'il avoue, non bah, En quelque sorte, oui. Comment ça, en quelque sorte Il a avoué ou non Et d'abord, où est-il, Edmond pour l'instant, je ne peux pas te le dire. Non, 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 attends, laisse-moi parler. J'espère fermement récupérer cet argent, je te le répète, mais ce n'est peut-être pas tout de suite. Et pour l'instant, euh, je suis très embêté. Il me faut 500 000 francs pour lundi matin ou plus tard. Ah, tu comptes sur Bara pour les trouver Mais il les a trouvés, je les aurai ce soir. Ah Et. D'où vient-il cet argent bon, Écoute, mon chéri. Je... Non, Pierre, non Tu n'aimes pas Barra, tu dis toujours qu'il fait des affaires louches. Tu ne peux pas prendre son argent comme ça sans savoir. Tu me caches quelque chose, j'en suis sûre. Non, écoute chérie, je n'ai rien à te cacher, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Dès que Bara sera reparti, non, je... Je veux savoir pourquoi tu t'es adressé à lui maintenant. Non, oh, mais est-ce que tu peux être têtu quand tu t'y mets Je me suis adressé à Bara parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il sache où est la grenouille. Voilà. Lui Mais comment le saurait-il ah, Alors je vais te dire cela aussi. Ça marche, je te préviens pour les détails tu attendras qu'il soit parti je me suis adressé à lui parce qu'il est depuis bientôt deux ans l'amant de ton amie Liliane là satisfaite ah. Essayez-vous. Ma femme prépare du café. Je crains fort de n'avoir pas le temps, je prends l'avion dans trois quarts d'heure. Vous l'avez mise au courant, votre femme oh, En partie seulement. Je lui ai parlé des malversations de Stéphane, mais je ne lui ai pas encore annoncé sa mort. Et madame Stéphane J'attendrai de vous avoir vu, j'irai chez elle tout de suite après. Bon. Ainsi que je vous l'ai dit, j'ai trouvé les fonds, mais il y a un petit problème. Mes commanditaires exigent que je traite avec votre société et non avec vous seul. Ça me paraît difficile. Pour la société. C'est votre signature plus celle de Stéphane, je sais. Mais j'ai trouvé un joint. Vous n'allez pas me demander De commettre un faux, non. Non, rassurez-vous. Mais il faudrait que nous avancions la découverte du corps. Et pour quelle raison Précipiter la baisse. Si Stéphane est découvert que lundi matin, la bourse risque fort de ne pas bouger avant mardi. En annonçant sa mort dès demain, nous accélérons le processus. Les banques n'ayant pas le temps de vous joindre, la baisse sera plus rapide, plus forte. Et vous rachèterez de même. Oui, c'est possible, mais je ne vois pas ce que ça change pour les signatures. J'y arrive. Nous signerons ce soir, mais avec des documents portant la date de demain. C'est-à-dire que nous serons censés avoir signé après la découverte du suicide. Héritière de son mari, Liliane Stéphane peut légalement signer avec vous. Oui, mais c'est tout de même un peu rapide, non À la guerre comme à la guerre, mon cher. S'agissant de sauver l'entreprise, personne ne vous accusera d'avoir agi trop vite. Et pourquoi ne pas traiter réellement demain Je peux attendre 24 heures. Demain, vous serez très occupé. Il y aura la police d'abord et puis euh, surtout les journalistes. Oui, évidemment. Vous pourriez passer à votre bureau vers midi pour y chercher un dossier, par exemple. Je ne pense pas que cela étonne qui que ce soit. Oh, quant à ça, pas de danger. Je passe très souvent au bureau le dimanche. Alors, pas d'objection A priori, non, je ne vois pas. Où traiterons-nous si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai pensé que nous pourrions nous retrouver chez Liliane Stéphane. Elle risque d'être passablement affectée par la mort de son mari. Cela lui éviterait d'avoir à se déranger. Mmh. J'ai peur que ça fasse tiquer Morrison. Porteur d'un demi-million en liquide, il n'aimera pas beaucoup sortir de la ville. Bah, S'il refuse, nous conviendrons d'un autre endroit. Essayez toujours. Bon, je vais voir. S'il accepte de me confier l'argent, je viendrai peut-être seul. Pour ne rien vous cacher, cela m'ennuierait. Oui. J'aimerais beaucoup le connaître, votre Morrison. Parce que... Mais... Parce qu'un homme capable de lâcher ainsi un demi-million est toujours intéressant à connaître, mon cher. Tout simplement. Ah. Si tu cherches ton mari, tu arrives trop tard. Il vient de partir. Je sais, je le guettais. Tu le guettais Il ne m'a pas laissé l'accompagner, mais je ne voulais pas que tu restes seule après ce que tu viens d'apprendre. Et je voulais aussi te dire que. qu'il ne faut pas te laisser abattre et que tout n'est pas perdu. Ma pauvre chérie, t'es bien gentille, mais depuis hier soir. Euh, enfin... Quoi hier soir Non, non, rien, je... <laughs> Tu pourrais pas comprendre. Mais hier soir déjà, ça n'allait pas très fort. J'en ai assez, je suis à bout. Si j'en avais le courage, je ferais comme elle. Non mais tu ne parles pas sérieusement. <laughs> non, bien sûr, je plaisantais. Non, excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je... Enfin, tu viens d'apprendre la mort de ton mari, et je comprends que tu sois abattue, mais mais quoi Écoute, Liliane, je suis ton amie. Je suis venue pour t'aider. Mais je voudrais que tu me fasses confiance et que que tu saches que je ne te juge pas, voilà. Comment ça que tu ne me juges pas Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas facile. Je. J'aurais préféré ne pas t'en parler, mais je m'aperçois que c'est impossible. Je suis au courant pour Bara. Au courant Oui, je sais que tu es sa maîtresse depuis bientôt deux ans. Ça m' On... On peut savoir où tu es allée chercher ça C'est pas vrai. Bah, Réponds-moi. D'où tiens-tu cela et depuis quand Oh pas depuis longtemps. Ce matin, c'est Pierre qui me l'a dit. Vraiment et où l'a-t-il appris lui? Il m'a dit qu'il avait eu des doutes à plusieurs reprises et qu'un jour en arrivant ici, il avait surpris Bara en train de t'embrasser. C'est tout? Non, il vous a entendu parler aussi de façon édifiante paraît-il. Pourquoi es-tu venu? Et pourquoi Pierre puisqu'il ne t'avait rien dit jusque-là, t'a-t-il révélé cela aujourd'hui? Mais je ne sais pas. Je... Ne mens pas, hein? De quoi parliez-vous quand il t'a dit ça Eh bien de. de ton mari, et de. de ses détournements, oui. Et alors Quel rapport avec Bara Mais oh. je n'en sais rien, voyons. -ce. Vraiment Et tu ne sais pas non plus, bien entendu, pourquoi ton mari est allé lui demander 500 000 francs à Bara. Non Nicole, je t'en prie. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas dire, ne le dis pas, tant pis, mais au moins ne mens pas. Hein Tout ça se tient, j'en suis sûre. Tout quoi Écoute. Oui, je suis la maîtresse d'Alexandre Barra, c'est vrai. Nous, nous devions partir ensemble très loin. Tu l'aimes Oh. Oui, je l'ai aimé follement. Après ma dépression il y a il y a deux ans, je m'étais retrouvée complètement vide et vieillie, persuadée que plus rien ne m'arriverait jamais. Edmond était gentil, je l'aimais bien, mais je m'ennuyais à mourir. Et Alexandre est arrivé, il s'est mis à me faire la cour. Et je me suis imaginé qu'il était. L'homme qui me sortirait de là. Imaginez seulement Eh oui, seulement. Et quand je me suis aperçu de mon erreur, ben, il était trop tard. Alexandre me tenait. Mais comment ça Tu ne devines pas Non, quoi donc Même devant quelqu'un qui essaie de ne pas vous juger, c'est pas facile à avouer. Avec le recul et surtout. Surtout après la mort d'Edmond. J'en suis à me demander comment j'ai pu... Tu veux dire que... que c'est toi qui as poussé Edmond à devenir malhonnête mmh. Tu vois bien que tu le savais. Non, pas vraiment. Non, je... Allons, allons. Pierre a dû le comprendre tout de suite, lui. Il t'en a sûrement parlé. Pour faire d'Edmond un voleur Il n'y avec moi. Oui, je l'ai vu à la torture, désespéré, mais... Il avait trop peur de me perdre. Oh, je crois que j'aurais pu lui faire faire n'importe quoi, le pauvre. Le jour où il m'armisse, son premier prélèvement, il était pâle comme la mort. J'ai failli tout lui dire, mais. Bara m'avait déjà menacé, disant qu'il me tuerait si je m'avisais d'avoir des morts. Te tuer Oh oui, je crois qu'il en serait capable, j'en suis sûre même. Il n'est pas seulement dur et insensible, il est cruel par plaisir. Libre et riche. Je ne l'aurais peut-être jamais intéressé, mais de savoir que cet argent, que nous amassions, était volé par mon mari, alors là, là il jubilait. En apprenant sa mort hier soir. Hier soir Mais oui. Qu'est-ce que tu crois Ton mari à peine sorti de chez lui, Alexandre me téléphonait. Pour m'annoncer presque en riant que j'étais veuve. Quand Pierre est venu pour m'annoncer la nouvelle tout à l'heure, j'ai fait la surprise, bien sûr. Mais il a dû me trouver bien froide. Hmm. J'ai trop pleuré et depuis trop longtemps c'est fini. Il peut m'arriver n'importe quoi. Tout m'est égal. Ne dis pas cela, voyons. Hein. Ah si tu peux pas savoir à quel point c'est vrai. Dans un sens, la mort d'Edmond m'a presque soulagée. Plutôt que de me retrouver devant lui, c'est moi qui serais morte. Mais tu es folle, voyons. Tu oublies tout ce que tu étais pour lui, à quel point il t'aimait. Je suis certaine que. Qu'il comprendrait et qu'il te pardonnerait. Ah, laissons ça. Quelle importance, maintenant. Écoute, Liliane, tu avais raison tout à l'heure. Il y a quelque chose que je n'ai pas le droit de te dire, mais... Hein? C'est quelque chose... Quelque chose de bon. Enfin, de bon pour toi, je veux dire. Bon, tu es gentil, mais n'insiste pas. Il ne peut plus rien m'arriver de bon. J'ai fait moi-même trop de mal. Il est trop tard. Mais je te jure que non tu ne peux pas comprendre, mais fais-moi confiance, je t'en prie. Bon, 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 très bien. Inutile de te mettre dans cet état, je te crois. Non, tu ne me crois pas, je le vois bien. Ah, oh, et puis zut, j'en ai assez de tous ces mensonges. Je vais te dire pourquoi tu ne dois pas désespérer. Mais c'est parce qu'on t'a menti, là. Ton mari n'est pas mort. Alex, enfin. J'avais peur que tu ne reviennes qu'au dernier moment. J'ai essayé de te joindre à Genève, mais tu étais déjà reparti. Pourquoi faire me joindre Je vais te le dire, mais... le, le rendez-vous. Et pour 6 heures, c'est bien ça Oui, alors ben, Il faut que nous partions, Alex, tout de suite. Non, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu veux... Attends Laisse-moi te dire. Voiron nous a menés en bateau de A jusqu'à Z. Mon mari n'est pas mort. Répète. Edmond est bien vivant, caché par Voiron, chez un ami. Comment ça, caché tu veux dire séquestré Mais non, non, pas du tout, il est d'accord. Enfin, à ce qu'on m'a dit du. Mais qui de... on Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire La vérité. Nicole m'a tout révélé. La femme de Voiron Non mais tu te fous de moi Elle ne voulait pas trahir son mari. Elle n'était pas venue pour ça, mais elle a parlé par amitié pour moi. Oh, par pitié. Ah oui, par pitié. Dis plutôt qu'elle t'a pris pour une enfant de mari, oui. Mais non, Alex, non C'est la vérité, je te le jure Comment ça, tu le jures tu l'as vu, ton mari Non, ah non, bien sûr. Alors Mais laisse-moi te dire au lieu de crier Voiron sait que je suis ta maîtresse. Il sait que j'ai l'argent. Il a machiné tout ça pour essayer de le reprendre, voilà bon Dieu Avant-hier, ayant besoin d'une forte somme, Voiron a découvert le trou dans la caisse. Et il savait déjà que j'étais ta maîtresse. Quoi Oui. Il nous a surpris ici en train de parler et de nous embrasser. Ah la vache et Vendredi, afin de découvrir la vérité, il a emmené Edmond chez un ami. Edmond a fini par tout avouer, mais. Il a prétendu avoir joué à la bourse, comme dans sa lettre. Ben oui, au fait. Ben cette lettre. Mais attends Voiron ne l'a pas cru. Mais Edmond n'en démordait pas. Il jurait que l'argent n'existait plus et que j'étais au courant de rien. Hmm, bon, ça va, j'ai compris. Pour le décider, Voiron lui a dit que tu le trompais. Oui. Complètement assommé, Edmond a capitulé. Il leur a dit que l'argent était en Suisse il a promis de ne pas bouger il a écrit la lettre. Voilà. Bon Dieu de bon Dieu, j'ai failli me faire avoir comme un gamin, mais ça ne se passera pas comme ça. Il faut partir, Alex, vite. Je, je pourrais pas supporter. Fous-moi la paix Ce que tu peux supporter ou non ne m'intéresse pas. Passe-moi le whisky. Mais enfin, voyons. Le whisky, je te dis Oh, oh là là. Ah, monsieur Voiron se prend pour une grosse tête. Hein. Il s'imagine que. Tu veux... tu veux de la glace Non. La paix, je te dis Laisse-moi réfléchir. Ah, cet animal a bien failli nous avoir, mais failli seulement. Et du moment que son coup est raté, il pourrait bien se retourner contre lui. Non, enfin, tu penses pas Qu'est-ce que tu vas chercher boucle là. Quand j'aurai besoin de toi, je te ferai signe. Eh <laughs> oui, pas mal monté, son petit truc. Remarque, le, le coup du faux suicide, j'avoue que c'est une trouvaille. Nous ne risquions pas de le trouver invraisemblable. Seulement tout ça, finalement. Ça n'est jamais que le prologue. Si monsieur veut récupérer son fric, il va falloir qu'il joue le reste de la pièce. Quelle heure est-il? 4h15. Parfait. Nous avons largement le temps de préparer le décor et de prévoir un autre dénouement. Non Toi, tu m'écoutes. Et avec attention, je te le conseille. Parce que l'enjeu de tout ça, ma belle, c'est un million de nouveaux francs. Ne me dis pas que tu songes. Non, non, pas question de songe, nous sommes en pleine réalité. Mais enfin, tais-toi maintenant Tout ce que tu pourrais dire, je le sais d'avance. Que nous avons là 500 mille francs, le temps de sauter dans un avion, etc. etc. Tu n'oublies simplement qu'une chose c'est que je ne suis pas homme à me laisser posséder par un petit rigolo du genre Voiron. Pas plus qu'à me contenter d'un demi-million quand je peux l'avoir entier. Mais c'est de la folie, comment veux-tu Ça, je vais te le dire. Et plutôt deux fois qu'une, fais-moi confiance. Parce que je vois très bien comment jouer le coup. Mais il va falloir que tu y mettes la main, ma belle. Oh. Ah oui. Oui, 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 voilà. Bah, toi, qu'est-ce qui t'arrive? La Nicole s'est fait avoir au sentiment. Elle a tout déballé à Lilian de Stéphane. Tout quoi Mais que son mari n'est pas mort, que nous essayons de récupérer le magot, tout quoi Alors c'est râpé Attends. Aussitôt prévenu, j'ai foncé à la villa. Liliane y était. Encore seule et attendant visiblement Barra avec impatience. Je me suis planqué, j'ai attendu de mon côté et je l'ai vu arriver. Bien tranquillement et porteur d'une serviette probablement bourrée de billets. Et autrement dit, la grenouille bah c'est ça, oui, la grenouille. Je n'étais pas assez proche pour pouvoir entendre, mais ce n'était pas nécessaire. Elle s'est précipitée vers lui, l'a mis au courant et pressée de partir. Elle ne me dit pas qu'il a refusé. Eh bien si, justement. Euh... Tu penses bien euh... que sans ça, je ne serais pas là. Enfin, encore une fois, j'ai pas pu entendre, mais je suis à peu près sûr de ce qu'il mijote. Primo, Barra ne supporte pas de s'être laissé avoir, il est fou de rage. Secondo, il se voit déjà faire coup double et filer avec une grenouille pesant une brique. Oh, C'est pas possible, quoi. Il est quand même pas dingue à ce point-là. Mais réfléchis un peu, tu veux? Si Nicole, prise de remords, ne m'avait pas tout avoué, nous y allions comme des veaux à l'abattoir, tranquillement. Euh, tandis que maintenant. Eh bien, maintenant c'est différent, nous savons ce qui nous attend. Ah oui, vachement rassurant, t'as raison. Si je comprends bien, tu remplaces l'abattoir par une bataille rangée. Si tu me dis que ça te fait peur, je ne te reconnais plus. Non. Non, écoute, Pierre. S'il s'agissait d'une bonne bagarre à main nue, je dirais oui tout de suite. Seulement, tu penses bien que ton barat, s'il a décidé de jouer à qui tout double, il va pas nous attendre avec un lance-pierre. Si tu veux pas venir, j'irai sans toi, mais j'ai besoin de l'argent. Quoi Enfin, Bara n'est pas fou Il a ramené l'argent, mais il va le planquer. Pour le faire reparaître, il va falloir montrer l'autre moitié de la galette. Ah oh non Ah oh non, mais j'ai comme qui dirait l'impression que tu perds un peu les pédales, fils. Enfin, T'as pas l'air d'y avoir pensé, mais il y a beaucoup plus simple. Hein À savoir Pas les flics, pardi. Après tout, c'est ton argent. Hein On te l'a barboté. D'accord. Seulement si je mets la police dans le coup, Stéphane se retrouve en cabane. T'as pitié de lui Écoute, Paul. Stéphane a 52 ans. Il s'est fait tout seul. Il a toujours travaillé, toujours honnête. Il y a deux ans, parce qu'il est fou de sa femme et parce qu'il avait peur de la perdre, il s'est mis à débloquer. Bon. Seulement au bout de la course, il se retrouve cocu et dépouillé. Tu crois que c'est pas assez comme ça Ouais. Si je récupère cet argent, tout rentre dans l'ordre. Je le réinjecte et tout est dit. Dans le cas contraire, c'est la prison pour Stéphane et sa femme, et la culbute pour moi. Alors ben Alors tu me les casses ben on, on y va, mais, mais je suis vraiment la reine des pommes Alex, je t'en prie, cesse de boire maintenant. Fous-moi la paix. Bon, très bien, comme tu voudras. Mais je te signale quand même que depuis quelque temps, entre ici et Vintimille, la police multiplie les contrôles à test. Hum et qu'ensuite, jusqu'à Rome, il y a encore 700 kilomètres. Pour une fois, tu n'as pas tort. Se faire piquer pour une bêtise juste aujourd'hui, ce serait cher le whisky. Je te laisserai le volant jusqu'à la frontière. Et l'argent? Tu vas le cacher où T'occupe pas de ça, pas de problème. Quelle heure est-il 6h05. Pas pressé, le sieur voiron. Et s'il avait prévenu la police Non. La bourse lui a interdit de s'offrir un scandale. C'est pourtant bien ce qu'il avait préparé, non? Décidément, tu as la comprenais de difficile. Je t'ai déjà expliqué qu'il n'avait jamais eu la moindre intention de provoquer une baisse. Pour se remettre d'aplomb, il n'a pas besoin d'un million. Nos 500 000 francs suffiraient. Mais, mais alors, pourquoi cet Anglais Pour ma pâté, Pardy. Et c'est bien avec ça qu'il a failli m'avoir. Et tu t'es renseigné sur ce Morrison Financièrement, c'est du solide. Mais je n'ai pas eu le temps de voir plus loin. Impossible de savoir s'il est de voir en connaissance de cause. Ça fait une différence. Pour lui, étant donné qu'il va paumer sa mise, oui. Plutôt. Dis. Edmond. Va-t-il se passer pour lui Alors ça, ma fille, c'est vraiment le calais de mes soucis. Mais si tu veux rester pour le consoler, te gêne pas pour moi. Pourquoi es-tu si dur Nous allons partir ensemble. Et et, et, et quoi ouais. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que tu ne me supportes plus, que tu me détestes. Allons, 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 allons. Qu'est-ce que tu vas chercher Je suis un peu nerveux, c'est normal. que cela passera. Dès que nous serons à Rio, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Alex, je suis fatigué. Fatigué Oui. Bon, écoute. Nous aurons bientôt tout le temps de parler, mais. Mais franchement. Les voilà. Bon. Alors attention, hein. Tu viens dès que je t'appelle. N'oublie pas que pour nous, ton mari est toujours mort. Et il ne va surtout pas me tutoyer. Oui, sois sans crainte. Je parlerai le moins possible. Et quand je serai maître du terrain, prends garde. Ne te place jamais entre eux et moi. Oui, d'accord. Mais regarde. On dirait que voir, on vient seul. Oui, mais il y a quelqu'un dans la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire T'occupe pas de ça, Phil. Bon. Et maintenant du calme. Tout seul Non, non. Morrison est là. Bonsoir, Bara. Bonsoir. Un petit détail à régler d'abord. Je peux entrer Allez-y, je vous suis. Morrison a failli ne pas venir. Il n'apprécie pas du tout de traiter en liquide dans une maison isolée qu'il ne connaît pas. Vous auriez dû me prévenir. Nous, nous serions déplacés. J'ai réussi à le décider, n'en parlons plus. Vous êtes seul Madame Stéphane est dans sa chambre. Elle attend que nous l'appelions. Bien. Morrison est prudent, mais il ne demande pas grand chose, au fond. Je dois simplement m'assurer que. que vous avez bien les fonds. Prudent, hein? Il a des mœurs de gangster, votre anglais. Il apporte sa part, je vous en donne ma parole. Ouais. Vous avez les papiers? Tous parfaitement en règle et datés de demain, voici. Mmh. Bon. Bon, parfait. Seulement, attention, hein, on ne sait jamais. Il faudra tout de même nous revoir demain après la découverte du suicide. Ça vaudrait mieux, oui, j'y ai pensé aussi. Les journalistes et peut-être même la police seront témoins de notre rencontre. Bon, eh bien, tout cela est parfait. J'appelle Madame Stéphane ensuite. Oui. J'irai chercher les fonds. Mm -hmm. Cher ami, puis-je vous demander de bien vouloir vous joindre à nous, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Je ne sais si j'aurais eu le courage de sortir. Je comprends, c'est ce que j'ai expliqué à Morrison. Mais il n'est pas venu Mr. Morrison est dans la voiture, mais il n'est pas très rassuré, paraît-il. Il trouve l'endroit un peu désert pour faire se rencontrer deux demi-millions. Je ne comprends pas. Aucune importance, ne vous inquiétez pas. Je vais chercher de quoi vous rassurer. J'en ai pour une seconde. Vous n'avez rien à me dire vous dire? Quand ma femme est trop bavarde de laisser ensuite de se racheter, je sais qu'elle vous a parlé. Oui. Mais alors pourquoi êtes-vous venu Parce qu'il me faut cet argent. En fait, C'est de la folie, vous n'y arriverez jamais. À nous verrons bien. Partez, je vous en supplie. Plus tard, je vous aiderai. Faites semblant. Non, de attention, pas. elle revient. Prenez garde, il est armé. De quoi parlez-vous, si ce n'est pas indiscret De, de mon mari. Oh, J'ai oublié. Pardonnez-moi. Notre ami est très affecté par son veuvage. Tout cela est bien pénible. Oui. Voici, mon cher, 100 liasses de 5000 francs, si vous voulez compter. Comptez, non, un coup d'œil, si vous permettez. Mais je vous en prie. C'est parfait. Je vous remercie. Je vais chercher Morrison. Qu'est-ce que vous racontiez, hein Mais rien, voyons. Il me disait qu'il enfin, ne... ne comprenait pas comment Edmond avait pu en arriver là. Oui, fais bien attention, toi. Si jamais tu t'avisais de me doubler, je te jure que ça finirait mal. Oui, sois sans crainte. Je vais t'aider. Simplement. Je... Eh ben quoi Parle, bon Dieu Tu n'as plus besoin de moi. Et je ne partirai pas. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Tu deviens folle ou quoi Non, je suis fatiguée, Alex. Je n'ai plus envie de rien. Je vais t'aider, tu vas partir avec l'argent. Mais moi, je reste. Écoute-moi bien, espèce d'idiote. De gré ou de force, tu m'accompagneras jusqu'à la frontière, tu entends après, tu feras ce que tu voudras. Et ne t'avise pas... De... Mais, cher ami, permettez-moi de vous présenter, Monsieur Morrison, Madame Liliane Stéphane, Edward Morrison. Très honoré, chère madame. Bonsoir, monsieur. Et voici Alexandre Barra, votre allié dans ce sauvetage. Euh, euh, comment allez-vous Très heureux de vous connaître, M. Morrison. Cher ami, voici l'équivalent de votre participation. J'ai contrôlé le comptier. Ah, euh, c'est très bien. Parfait. Vous permettez. Voici euh, l'argent. Mmh. Permettez. Non, Si vous voulez contrôler, là. Bah, hein. Oui, oui, oui. Très bien. Eh bien, on l'air où je tire. Vite Reculez Mais, mais qu'est-ce que cela veut dire Ça veut alors... dire que vous pouvez renoncer à votre action de carnaval. Reculez jusqu'au mur, tous les deux. Allez Allez, plus vite Maintenant, décollez-vous du mur. Avancez de deux pas. Là, stop! Vous êtes trop gourmand. Vous ne pourrez. La ferme! Madame Stéphane va passer derrière vous, pour s'assurer que vous n'êtes pas armé. Mais attention, à le moindre geste, je tire. Compris? Vas-y, passe derrière. Oui. Et vous, l'anglais, plus haut les mains. Là! Le devant de la ceinture aussi. Allez, dépêche-toi. Il n'a rien. Tu es sûr? Mais oui, oui, certaine. – Les poches arrière. Non, non plus. Gardez les mains en l'air, ne bougez pas. Ah. À l'autre maintenant. Je crois. Oui. Lui est armé, sûrement. <laughs> J'en étais sûr, un vrai cow-boy. Non, non, non N'y touche pas. Reviens par ici. Vous allez jeter votre artillerie, voiron. Là, sur la droite. Et si vous aimez jouer aux petits soldats, ne vous gênez pas. Je meurs d'envie de faire un carton. Pierre, Pierre, je vous en prie, faites ce qu'il vous dit. Parfait. Non, non, non. Laisse. Je le ramasserai moi-même. Va chercher le matériel, dépêche-toi. Oui, j'y vais. Voilà. Nous allons vous ficeler bien solidement, mais vous allez nous aider, en commençant par vous attacher mutuellement les chevilles et les avant-bras. Ensuite seulement, je finirai le travail avec du fil de fer. Vous n'irez pas loin, Baron. L'Amérique du Sud n'est qu'à quelques heures d'avion, mais encore faut-il avoir des places. Ne vous inquiétez pas pour moi. Des avions, je sais où en trouver. Dans tous les cas, je vous retrouverai. Ça me prendra le temps qu'il faudra, mais je vous retrouverai. <laughs> C'est ça. Vous viendrez construire vos petites maisons là où je serai. Nous ferons affaire ensemble. J'oubliais que vous vous prenez pour un homme d'affaires. Pardonnez-moi. Autant dire... <laughs> Alexandre le Grand. Bouclez-la maintenant. Mais je vais vous le dire ce que vous êtes, bas, un pauvre type, un minable, un gigolo. Attention, voiron. Parfaitement. Un gigolo. Tout juste bon à séduire une femme qui s'ennuie pour la pousser ensuite à voler son mari. Attends un peu morveux, je vais te faire ravaler ça. Alex, Alex, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'il y a Lilian, j'ai bien envie de faire sauter cet abruti. Ça nous éviterait de l'attacher. Mais en fait, tu es fou. Qu'est-ce qui te prend ?ôte-toi de là Non. Écarte-toi, je vais tirer. Obéissez. Alex, non. Lilian. Lilian. Pas la peine, fils. Du 9 mm en plein cœur, ça pardonne pas. Et l'autre à son compte aussi. Je me savais pas si bon tireur. Mais bah, Pour un beau gâchis, c'est un beau gâchis. C'est ma faute. Elle est morte par ma faute. Ah. Ce qui est sûr, c'est qu'elle t'a sauvé deux fois. En me laissant mon pistolet d'abord et puis. en s'interposant. Hein. Je, je, je pensais pas qu'il allait tirer. J'espérais je, je, qu'il allait se rapprocher, que je, que je pourrais. Oui. Ça vaut peut-être mieux ainsi, va. Enfin, pour elle, je veux dire. Ça lui évite de se retrouver en face de son mari et devant un tribunal par-dessus le marché. Cela dit, tu peux quand même te vanter d'avoir fait du beau travail. Ah, on s'en souviendra de ta grenouille. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir La Grenouille, un film radiophonique de Charles Maître, avec Marcel Bozuffi, Edith Loria, Henri Labussière, Christine Lausanne et Dominique Paturel. Chef opérateur du son Robert Lavoignat, collaboration technique Bernard Garcia, Moitage Jean-Jacques Noël, assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.